Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai fini deux lectures déjà. Et puis, vous avez pu voir dans le plan d'avant j'ai été chez Cash Express. Je vais vous dire mes lectures après. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Pour 17 livres, et il y a des trouvailles, donc je suis hyper fière. Pour 17 livres, j'en ai eu pour 22 euros. Alors, il y avait des livres ça allait de 50 centimes à 2 euros, sauf un grand format était à 3 euros. Voilà. J'ai réparti, là, vite fait, comme ça, pour que ce soit un peu plus clair, parce que j'ai pu le faire, hein, c'était des livres pris au hasard qui étaient sur ma wishlist. Mais j'ai pu répartir en une pile de littérature de l'imaginaire et une pile plus contemporaine. Donc, on va commencer par celle de l'imaginaire. Si ça tombe pas, donc voilà, il y a tout ça. Déjà en imaginaire, c'est un peu kiff-kiff. Donc, vous savez que j'adore la collection Fleuve Noir Gore. J'en ai retrouvé deux. Alors là, il y a John Russo Zéro Heure. Donc, vous voyez bien cette couverture infâme et complètement à vomir. Mais voilà, hein, voilà, on est dans le jus. Là, on va parler des démons qui ont ceci de particulier, qu'ils prennent volontiers l'apparence humaine. Celle d'un voisin, par exemple. Voilà. Et puis là, Purgatoire. Donc, de Pierre Pelot. Et là, Pierre Pelot, j'avais lu de lui un récit de science-fiction non gore. Hein. Rien à voir. C'était la septième saison, il me semble. J'avais bien aimé, hein, entre parenthèses, sous le nom de Pierre Suragne. Il faut dire que Pierre Pelot a écrit aussi sous ces pseudonymes-là. Donc voilà. Donc là, j'ai même pas envie de savoir, mais ça a l'air très gore, hein, vu derrière ce qui est écrit un peu. Ensuite, on passe de la science-fiction. Alors, enfin, j'ai trouvé ce classique de science-fiction. Je l'ai pris parce que classique, hein, tout simplement. Voilà. Enfin, j'ai trouvé, donc, c'est Aldous Huxley, hein, le meilleur des mondes. Donc voilà, superbe couverture aussi. J'ai envie de découvrir ce classique, vraiment. Alors là, ce qui était drôle, j'ai deux Dean Koontz, mais vous allez voir pourquoi je dis que c'était drôle. Alors déjà, le premier Dean Koontz, c'est Une porte sur l'hiver, avec toujours ces presse pocket terreur que j'adore. La couve fait bien flipper. Elle seule savait ce qu'il y avait derrière la porte, mais elle ne pouvait pas parler, juste hurler d'effroi. Donc voilà, hein, on découvrira tout ça ensemble au fil des vlogs. Et là, j'ai pris un autre Dean Koontz. Alors tout d'abord, je ne savais pas que c'était Dean Koontz, c'est le titre qui m'a attiré. Et maintenant, je ne fais plus l'erreur. Sur place, je regarde sur Livradic si c'est des tomes. Et là, je voulais juste voir par rapport à la couverture, je crois que c'était un jeunesse. Mais pas du tout. Regardez cette voiture, ça fait un peu jeunesse. Donc c'est l'heure des chauves-souris. Et c'est pas du tout en jeunesse, c'est un récit d'horreur, un d'épouvante classique. Et je vois Lig Nichols. Lig Nichols. Et sur Livre Addict, c'était inconnu. Alors, des fois ça arrive, hein. Mais je ne sais plus comment j'ai trouvé que c'était Dean Koontz. En fait, Lig Nichols, décidément, je suis dans les surnoms, les pseudos là. Pour ce book haul, c'est un autre nom de Dean Koontz, donc c'est le même. Hein. Vous pouvez y aller si vous voyez des récits sous Lig Nichols. C'est Dean Koontz, vous pouvez y aller. Il fait quand même près de 500 pages et il faut tuer l'Antéchrist, l'heure des chauves-souris. Donc là, c'est dans mes cordes. Hein. Ensuite, les prix, alors là, pour la couverture, déjà, je l'ai sorti du rayon par curiosité pour la couverture. Parce qu'en fait, ils ne sont pas comme ça. Bah, vous avez vu dans le plan, ils sont face, en fait. Regardez ces couvertures. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, en plus, c'est tout petit, donc ça ne mange pas de pain. Hein. Donc, c'est L'univers à l'envers de Philippe José Farmer. Et dedans, et derrière. Alors, c'est un livre de science-fiction, il me semble. Hein. Mais là, on va parler de l'enfer. Voilà. Une version de l'enfer. Voilà pourquoi je l'ai pris. On va parler d'un enfer, l'enfer de ce récit. Voilà, tout simplement, de l'enfer. Voilà. Ensuite, pour ceux qui suivent, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que même moi, des fois, je ne me rappelle même plus de mes lectures. Ça date de l'année dernière. J'avais commencé Le Silmarillion de Tolkien.
Mais c'est en 2 tomes. Alors, il faut que je lise le tome 2. D'ailleurs, je pense le lire le mois prochain. Parce que j'ai envie de le terminer. Et de m'intéresser de plus près à cet univers du Seigneur des Anneaux pour pouvoir lire le Seigneur des Anneaux après. Mais avant de m'embarquer dans des gros trucs comme ça, donc je vais terminer le Silmarillion et ensuite je vais enchaîner sur ce petit one-shot de Tolkien qui fait partie de l'univers du Seigneur des Anneaux aussi, c'est Bilbo le Hobbit. Voilà, tout simplement. Bilbo le Hobbit. Donc Bilbo, comme tous les Hobbits, est un petit être paisible. Voilà. Ça complétera mon univers Tolkien. Et puis là, j'ai pris un recueil de fantastique, de contes fantastiques, ces visages et choses crépusculaires de Jean Rey. Or, j'adore la couverture. Voilà, j'adore la couverture et j'adore le format. Je trouve que, voilà, donc ce sont des nouvelles de fantastique de Jean Rey. C'est un auteur belge. Donc voilà, je suis très contente de mes trouvailles. Là, on va passer dans le contemporain. Alors, le contemporain. Alors déjà, j'ai pris celui-là pour ma mère. Enfin, elle aime bien la saga Agatha Reza de MC Beaton. Et MC Beaton a sorti une autre saga qui se rapproche d'Agatha Reza. Vous allez voir la couverture. C'est Hamish Macbeth. Voilà. Donc là, c'est un tome 5. Mais bon, c'est pareil, c'est une série. Hein, voilà. Donc là, c'est qui franchit la ligne jaune. Je le dirai aussi, hein, de toute manière. Ensuite, j'ai 3 Amélie Nothomb. Alors là-bas, j'aurais pu me faire toute la collection d'Amélie Nothomb, hein, je pense. Il y avait tout. Il y avait moins une vingtaine d'Amélie Nothomb. Mais j'aurais pas eu d'autres livres. Je pense que je les aurais tous lus, parce que je veux tous les lire. Mais j'avais d'autres livres dans les bras. Et voilà, je voulais pas m'aventurer. J'en ai pris 3. Et vous allez voir, ces couvertures. On était dans la littérature de l'imaginaire à la seconde. Les couvertures sont dignes. J'adore les couvertures, vous allez voir. Ça fait un peu fantastique et tout. Celui-ci était sur ma wishlist d'Amélie Nothomb. Nothomb, d'ailleurs, on dit le B. Donc, c'est Antécrista. Voilà, c'est cette fille qui va être influencée par une copine à elle qui n'est pas très fréquentable. Voilà, sous la plume d'Amélie Nothomb, hein, bien sûr. C'est pas banal. Ensuite, je ne connaissais pas ce titre. Mais vu le synopsis, je vais vous dire, il est en 3 lignes. Je l'ai pris. Journal d'Hirondelle. Voilà, donc c'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou, tout simplement. Et puis celui-ci est connu de nom. Celui-ci est connu de nom, donc c'est Péplum. Regarde-moi cette couverture. Péplum d'Amélie Nothomb, donc j'adore cette couverture. Voilà. Rien à dire, rien du tout. Donc voilà, Amélie Nothomb. Ensuite, alors, j'ai pris 50 contraintes de Philippe Dian. Philippe Dian, j'avais beaucoup aimé sa plume dans Vengeance. J'ai 37 de le matin dans ma balle. Je ne l'ai pas encore lu parce que voilà, j'ai vu le film, mais je suis tombée en amour. J'adore la plume de Philippe Dian. J'ai lu un roman de lui, Vengeance, donc. Mais j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, maintenant, si je tombe sur des Philippe Dian pas trop chers en occasion, je les prends. Là, c'était le cas. Donc, et puis là, c'est pas un récit, c'est 11 histoires, 11 tranches de vie, ou le quotidien, enfin voilà, fin du quotidien, c'est la plume de Philippe Dian, mais d'une façon très spéciale, très particulière aussi, bien propre à lui. J'ai envie de découvrir ça. Encore 3 livres. Alors, celui-ci, je l'ai pris. On croira un récit d'horreur, vu le titre, mais je ne pense pas, c'est pour ça que je l'ai mis dans les contemporains. C'est Le Petit Prince Cannibale de Françoise Lefebvre. Et en fait, on va parler de la relation entre une mère et son bébé. D'une façon un peu... Derrière, on nous dit que c'est un... Françoise Lefebvre fait retour à l'écriture avec ce texte flamboyant et inclassable. Donc voilà, même en ayant lu ce livre, il reste inclassable. Je vous en dirai des nouvelles, mais il m'attire beaucoup. Voilà. Je préfère le découvrir en temps et en heure. Et il m'intrigue beaucoup, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, je suis tombée sur un... Tout se casse la tronche. Sur un roman asiatique. Qui dit roman asiatique, moi je prends. Parce que je suis toujours... j'aime toujours
Voilà, que ce soit n'importe quel auteur, il y a un truc, quoi. Donc là, on va partir en Chine encore avec Lamar de Ajin. Je ne connais pas, j'adore le format, j'adore ces formats, mi-poche, mi-grand format, large. Tout ça, roman seuil. Et là, on va être sous la Chine après l'ère de Mao. Et c'est vrai que moi, j'avais lu pas cette année, enfin pas l'année dernière, pas en 2021, mais dans Lisons l'Asie de 2020, le hasard a fait que j'avais lu beaucoup de romans sur la Chine qui se passaient sous l'ère de Mao. Donc, j'y suis un peu imprégnée et je m'y intéresse du coup maintenant. Bon, là, c'est après la mort de Mao, mais voilà. J'ai pris, on va suivre une famille. Bon, je vous en dirai des nouvelles et je pense que je vais aimer. Et alors là, quand j'ai vu celui-là, le dernier que je vais vous présenter, le grand format. C'est comment dire, un de mes auteurs préférés. Alors, il y a qui? Il y a qui? Grisham? C'est pas lui. Stephen King? C'est pas lui. Il y a Brusolo? C'est toujours pas lui. Mais c'est qui? J'étais hyper contente de Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho, hein, je ne vais pas vous le rappeler. Donc, j'ai trouvé Lunar Park. Je vais enlever la jaquette. La jaquette, il n'y a pas le titre. Sans la jaquette, il n'y a pas de titre. C'est la tronche de Bill, comme on dit, BEE, Bret Easton Ellis, donc Lunar Park. Comment dire? Je suis juste contente. Voilà, juste contente. Pire que ça, même. En fait, derrière, c'est. Je ne vais pas tout vous lire. C'est un. Comment dire? En fait, il y a une citation de Bret Easton Ellis derrière qui dit: je ne veux pas avoir à clarifier ce qui est autobiographique et ce qui ne l'est moins. Voilà. Mais c'est de loin le livre le plus vrai que j'ai écrit. Au lecteur de décider ce qui, dans Lunar Park, a bien eu lieu. Donc, il va mélanger des faits réels avec des faits fictifs. Et voilà, bon, ça, sous la plume de Bret Easton Ellis, comme ça l'air un peu space, mais voilà, c'est Bret Easton Ellis. Faut y aller, faut y aller, faut se lancer. On nous dit un récit fantasmagorique de la vie de banlieue aux États-Unis. Un hommage au film et à la littérature d'épouvante, un témoignage de la douleur d'un fils, un exorcisme et une réévaluation de sa vie et de son œuvre. Et derrière, on nous dit que Lunar Park sera son dernier roman. Donc, ça fait déjà un moment, hein, mais c'est pas nouveau non plus. Donc, ça a été écrit en 2005. Donc, après, je sais pas trop. Faudrait que je m'intéresse à la vie de. La vie d'auteur de Bret Easton Ellis, et j'étais, comment dire, surtout que Lunar Park, il est très connu. Hein. J'étais très, très, très contente. Voilà pour mon book haul encore. Oui, j'ai encore fait des book hauls, mais Cash Express, j'avais dit, ça fait au moins 6 mois que je n'y suis pas allée. J'ai dit, j'allais faire un tour parce que la dernière fois, j'avais trouvé. C'est là-bas que j'avais trouvé 5 collections gore encore, j'en ai encore trouvé. Ils ont de nombreux livres, hein, et pas cher. Je crois que c'est le moins cher de mes boutiques d'occasion à part Emmaüs, c'est le moins cher. J'avais trouvé Les fleurs pour un gernon, faut que je lise d'ailleurs. J'ai très envie. J'avais trouvé Rosemary Baby, un bébé pour Rosemary. Voilà, il y a beaucoup de beaux livres. Ah oui, et il y a aussi dans les mangas, il y avait le manga, les 2 premiers tomes de Erased. Je vais vous mettre l'affiche là, que je pense, si j'y pense, que j'avais vu en anime sur Netflix il y a l'année dernière et que j'ai. Enfin, ça avait été un coup de cœur monumental, ce thriller tellement glauque et pesant et une ambiance mais folle. Il est pas grand et il y a 8 tomes en tout. Et là, avec les 2 tomes, c'est nul de prendre 2 tomes. Je les avais dans la main, je me suis dit, oh, j'ai même pas réfléchi. Je fais non, si t'as pas ça sur 8 tomes, c'est juste pas possible. Tu vas faire quoi avec tes 2 tomes? Ça sert à rien. Donc, bon, au passage, je vous conseille. Voilà. Hein. Donc, voilà. Je suis contente de mes emplettes. Dites-moi si ce que vous pensez de ces livres, hein, si vous en avez lu certains. Ou certains vous font envie, hein, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez de ces livres. Et moi, là, je vais passer aux 2 lectures que j'ai terminées. Ce fut de bonnes lectures. Attention. Je vais commencer déjà par celui-ci. Donc, ça, c'est un tome 2. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus, en fait. Donc, c'est le général, le tome 2 de Terre des Origines, de Sophie
Orson Scott Card, j'y arriverai jamais avec son nom. Et donc un tome 2, un récit de science-fiction. Voilà. Donc le tome 1 s'appelait Basilica. Basilica est une ville qui appartient à la planète Harmonie. Et Basilica est régie par les femmes. De laquelle, enfin je sais pas si ça se dit, de laquelle leur déesse est un ordinateur hyper puissant, quoi. Une intelligence artificielle qui répond au nom de Suram. Et Suram envoie des informations aux femmes. Et les hommes n'ont aucun droit. Hein. Les hommes, ils sont un peu sur la paille. Et bon, je vous explique pas. Et bon, je peux pas vous dire. Je peux même pas vous dire. Bon, et puis de toute façon, on va s'apercevoir que dans cette saga, les hommes vont un peu se rebeller. Et il y a aussi des histoires de famille. Et c'est pour ça que j'ai aimé. J'ai aimé. Et là, toujours, alors, dans le 1 aussi, et toujours dans le 2, qui était super bien. Extra. Je me suis régalée. Les personnages sont attachants, qu'ils soient mal intentionnés ou bienveillants. Ils sont attachants. Ils ont des caractères. On reconnaît chacun, même s'ils ont des noms. Alors en plus, Scott Card, au début, il y a un arbre généalogique, mais il y a aussi, surtout, bon, il y a une carte, hein, tout fantasy, science-fiction, mais il y a aussi, je vais trouver, les surnoms. C'est-à-dire que déjà, c'est des noms inventés, hein, et en plus, les personnages s'appellent, comme nous, on nous appellerait par nos surnoms. Donc nous, pour lecteurs, qu'on ne connaît pas cet univers, on ne connaît pas le personnage, hein, au début. Et ben, on a du mal, hein. Parce que, par exemple, Cocor, je dis Cocor, c'est une fille qui est dedans. C'est un personnage féminin. J'adore ce prénom. Je trouve ça trop mignon, Cocor. Mais des fois, on l'appelle Kyoka. Kyoka. Voilà, ça n'a rien à voir. Par exemple, Obring, on va l'appeler Bria. Voilà, ça, c'est les surnoms. Et heureusement, il y a un lexique. Enfin, voilà. Après, on s'habitue. Et ce qui est bien, justement, c'est très bien fait parce qu'on arrive à se familiariser très bien avec les personnages. Donc c'est des histoires un peu de famille, de terre conquise, de machin, aussi il y a l'élément de Dieu, de croire en Dieu, en croyances. Enfin, voilà, c'est une histoire somme toute banale, mais Scott Card nous emmène dans un univers complètement ailleurs, on y est, qui change bah, de notre nous pauvres terriens. Quoique, vous allez voir, j'adore cette saga, je vous en dirai plus quand j'aurai terminé, mais j'ai adoré ce tome 2 en tout cas. Et je remercie encore Elodie de Au pays de Toti encore, parce qu'elle avait eu un coup de cœur pour le tome 1. Du coup, j'ai acheté moi la saga, j'avais eu à Emmaüs, et du coup, c'est une belle découverte. Alors, bah, là, je viens de le terminer. Juste avant que je vous parle et que je tourne cette vidéo, je viens de le terminer. Lui, il rentre dans le challenge de la crypte, fallait lire un recueil d'horreur. Recueil de nouvelles, et moi j'avais choisi Dagon et autres récits d'horreur de Lovecraft. C'est un petit coup de cœur. Hein. C'est un petit coup de cœur, j'ai adoré. J'ai adoré ce petit recueil de 13 nouvelles. Voilà. Lovecraft m'a emporté, ce que je retiens de ce récit, m'a emporté, au-delà des histoires, il m'a emporté par sa plume. Il a un vocabulaire riche, un vocabulaire qui vous embarque comme ça dans ce qu'il veut raconter. Par exemple, il y a des histoires, on va être tantôt avec dans les mers abyssales qui cachent leurs secrets, leurs monstres. Il a le vocabulaire vraiment limite gothique qui vous embarque dans cet univers-là. Ou tantôt dans des cimetières hantés, c'est la même chose. On est vraiment embarqué dans un monde, dans le monde, et j'ai même osé dire dans la tête de Lovecraft, la tête un peu névrosée de Lovecraft, un peu aussi qui se pose des questions sur la vie. Il fait souvent référence aux écrivains aussi d'Edgar Allan Poe. Voilà, on perçoit et il le dit. Il y a aussi une notion de beauté, de poésie aussi, parce qu'il se pose des questions sur la vie. Il y a aussi cette notion, comme je vous disais, un peu de folie, de névrose, d'hallucination, rêve, réalité, la limite, mais surtout, surtout, ces histoires, même au premier sens du terme, au premier degré. Voilà, comme je vous ai dit, on va être dans les mers ténébreuses, après dans des cimetières hantés. Voilà, ça marche, c'est divertissant. Et moi, ça a plu m'embarquer. J'aime le vocabulaire qu'il a voulu me donner pour exprimer ce qu'il voulait raconter et ce qu'il avait à dire. J'ai adoré Dagon.
et autres récits d'horreur de Lovecraft. J'ai adoré cette lecture. Voilà, au niveau lecture, j'ai juste parlé de deux petits films que j'ai vus en ce moment. C'est ma mère qui m'a dit ça, parce que moi, je vais jamais aller voir là-bas. Sur les replays de France 3, France Télévisions, précisément France 3, ils font jusqu'au mois de juin un voyage au travers du cinéma asiatique. Donc, il y a plein de films en replay sur le cinéma asiatique, soit japonais, coréen, chinois. Que ce soit des films d'aventure, de drame, voilà, il y a à peu près, il y en a pas mal. Et moi, je suis tombée sur un film Poetry. C'était un drame très touchant. Alors, il dure 2 heures, mais voilà, on est avec cette grand-mère qui loge son petit-fils complètement. Son petit-fils est complètement infâme avec cette grand-mère. Hein. Elle lui fait à manger, elle est tout bien avec lui. Puis lui, voilà, c'est l'ado vraiment qui se croit tout permis, qui est logé, nourri, blanchi, quoi. Qui amène ses potes alors que sa grand-mère est fatiguée. Elle a 65 ans, il me semble. Elle fait encore des ménages. Elle essaie de s'en sortir et elle est pas riche du tout. Hein. Et puis, elle commence à avoir des pertes de mémoire. Voilà, elle se débrouille toute seule, cette grand-mère, parce que là, elle a quand même... elle téléphone souvent à sa fille qui travaille ailleurs, voilà, qui a pas trop de temps, qui vient de temps en temps, mais qui n'est pas là en général. Mais voilà, elle essaie de s'en sortir et puis elle découvre aussi des cours de poésie. Et ben, des cours de poésie, ça lui fait grave du bien en fait. Ça lui fait du bien. Mais il y a ce petit-fils qui lui fait un peu des histoires. Et elle va apprendre quelque chose. Elle va apprendre quelque chose. Un jour, un homme l'appelle. Ça va être en fonction d'un truc qu'aurait fait son petit-fils à son école, parce qu'ils ont retrouvé une fille morte. Voilà. Je vous en dis pas plus. Et donc, on va suivre, c'est un drame, hein, c'est pas un thriller, on va suivre cette grand-mère qui est complètement dépassée, mais qui va essayer de s'en sortir. Et voilà. C'est sud-coréen, on est à Séoul, et c'était très touchant, bah, à la manière du cinéma asiatique, hein, c'est très bien fait, c'est pas du tout ennuyeux, enfin moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et puis un autre genre, j'ai regardé sur Netflix, j'ai regardé Dark Web, Unfriend, je ne sais pas comment ça se dit. Je suis assez mitigée. Alors déjà, c'est assez spécial parce que bon, bah, je m'en doutais, hein, mais on est vraiment que sur un ordinateur en fait. Hein. On voit les gens qui se parlent via Skype, quoi. On est vraiment que focalisé sur un écran, tout comme si on était spectateur du... Je dis pas ça d'une façon anodine. Hein. Comme si on était spectateur de ce qu'on est en train de regarder nous-mêmes. Et par contre, alors il y a une intrigue, tout ça, et... j'ai bien aimé la fin, voilà, j'ai bien aimé la fin, le message de fin qui n'est pas glorieux, on est dans du dark web, attention, hein, le dark web, ce truc d'internet qui est un peu interdit, il ne faut pas les voir. Et puis malheureusement, un des protagonistes a été voir, voilà, est tombé dessus, je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'était bien, mais sans plus, c'était pas non plus. Bon, en attendant, assez discuté, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt. Hello, je viens vous voir parce que je suis un peu énervée, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que à l'heure où je vous parle, on est le 13 janvier et le 12 janvier sortait La Forêt des Ombres, La Forêt des Silences de Serge Brussolot. Voilà. Et je crois que c'est un thriller. Et je suis à la Cultura et à la FNAC. Rien du tout. Voilà, donc maintenant, comme il n'y a jamais les sorties en temps et en heure, ça me fait ça à chaque fois, j'attendrai un peu, une semaine je pense, avant, après les sorties. J'arrête de m'empresser comme ça pour rien, parce que il n'y a pas. Du coup, j'ai quand même acheté, je vous l'avais dit, le tome 3 de La Déchéance d'un homme de Junji Ito. Je crois que celui-là, bah je vais le lire aujourd'hui. Hein, ça va pas me prendre sur mon temps de lecture. Hein, c'est pas ça qui va me retarder.
parce que j'ai encore 3 livres de Challenge de la Crypte à lire pour le mois de janvier, mais je verrai. En tout cas, il ne va pas rester longtemps, hein. Donc voilà, le tome 3 de... Bah, le tome 3, hein. Voilà. Pour le dessin du 3. Et puis, comme j'étais un peu énervée de ne pas avoir Bruce Solo, hein, donc ça, c'était chez Cultura. Et je suis allée à la Fnac ensuite, donc il l'avait toujours pas. Et j'ai pris 2 petites poches. C'est ce qui est pas bien de faire des choses quand on est énervé, puisqu'on achète en l'occurrence les livres quand je suis devant les livres. Donc j'ai acheté un livre que certes vous allez me dire allez bête parce qu'on le trouve facilement en occasion, mais moi je ne tombe jamais dessus. C'est un classique de chez classique du fantastique. Je ne tombe jamais dessus. Je vais faire prochainement que je vois en occasion, vous allez voir, je vais le trouver parce qu'on le trouve mais tout le temps. Enfin voilà, ça se trouve. Donc c'est rien que Kafka, la métamorphose. Voilà, donc 5 euros, hein, je vais pas me priver. Et oula, ah oui, c'est écrit très très petit, hein, très petit. Et en plus, et autre récit. Donc c'est parfait. Pour moi, j'ai fait un bel achat, je le voulais, il était sur ma wishlist. Comme je vous dis, je le trouve pas en occasion. Et en plus, il y a quelques autres récits. 5 euros, je dis allez, c'est pas un achat inutile, enfin tout achat est inutile, hein. Voilà. Mais celui-là, je suis bien contente quand même d'y avoir cédé. Donc voilà. Et puis j'ai pris un autre petit quand même, celui-ci, c'est pareil, on peut le trouver en occasion, mais c'est difficile. Donc c'est quand même un classique de l'horreur, hein, de Monsieur Clive Barker, donc c'est Hellraiser que j'ai jamais lu. Donc. Je pense que ce sont 2 achats. Bon, celui-là, il a 6,90. Il est pas long, mais bon, c'est pas grave. Deux, ça reste 6,90. C'est pas non plus. Voilà, deux classiques en fait. Et là, Hellraiser de Clive Barker. J'ai jamais vu le film, j'ai jamais lu l'histoire. Et j'ai envie de découvrir encore la plume de Clive Barker. Et voilà. Enfin, après, dites-moi s'il y a des suites parce que j'ai été voir sur Livre Addict. Non, mais Livre Addict, faut pas se fier trop parce que il peut mettre ça dans One Shot et puis ce qui est le cas, mais il peut avoir des suites. Je sais pas si les Évangiles Écarlates, derrière c'est marqué les Évangiles Écarlates. Je sais pas si ça fait partie de la même série. En tout cas, il me semble pas long en plus. Moi, Hellraiser, je voyais ça un truc gros et tout ça. Donc, c'est chez Bragelonne Terreur, et là, un folio classique, et là, Delcourt Duncan. Voilà. Donc, voilà. Donc, dites-moi s'il y a une suite à Hellraiser. Si, bah, je pense que là, c'est le texte intégral, hein, complet. Il n'y a pas de tome 1 ou de. Ça, enfin, des fois, c'est pas écrit, mais bon. Renseignez-moi. En tout cas, je suis très. Enthousiasmée à l'idée de lire ce fameux classique de l'horreur. Donc voilà, donc j'irai la semaine prochaine certainement, bah, certainement oui, chercher le nouveau Bruce Solo, hein, je ne vais pas manquer ça. Et puis aussi, je vais vous parler d'une lecture que j'ai terminée hier, qui n'est pas du Challenge de la Crypte du tout, qui est une lecture personnelle de la palle, comme ça, que j'ai pris des 5 lectures que j'avais, donc que j'avais pris en début de mois. Donc c'est Carl Si l'on nous sépare, je vais y arriver, de Lisa Strom. Donc c'est ce petit roman historique norvégien. Et c'était une lecture très, c'était bien. On va parler d'histoire d'amour impossible dans le monde de l'art pictural autour de Edvard Munch, ce fameux peintre qui a peint notamment Le Cri, très connu. Vous voyez le cri, le beau, voilà. D'ailleurs, il est dedans. En fait, on est avec Johan qui vient d'une famille de paysans. Donc, on est en 1893 dans un petit village de pêcheurs, voilà. Et sa mère, elle est cueilleuse de fraises, Johan. Et elle voit que Joanne est un peu indisciplinée. Donc, pour un peu la recadrer, elle l'envoie. Donc, Joanne a 16 ans. 16 ans. Elle l'envoie travailler en tant que bonne dans la grande famille des presque aristocratiques, hein, des Hélène. Et là, elle va faire la connaissance d'une de ses filles, de Tulik. Donc, elle s'appelle Tulik. Et cette fille, en fait, est aussi complètement indisciplinée. Hein, complètement.
Et elle va tomber amoureuse du célèbre peintre Munch, qui habite pas loin de chez eux, mais qui est interdit, même prononcer son nom est interdit dans la famille Hélène, car une des filles, Hélène, auparavant, est sortie avec cet Édouard Munch, a eu comme amant, mais était mariée, a eu comme amant Édouard Munch, et l'a fait. Il l'a quitté sans raison, voilà. Et maintenant, c'est au tour de Tudik. Donc, en fait, on va suivre Joanne, nous, la paysanne du village de pêcheurs, qui va, en fait, couvrir tout le temps Tudik quand elle ira voir Munch, à ses risques et périls, Joanne, parce que si sa mère ou la famille Hélène, chez laquelle elle travaille, se rend compte de ça, se rend compte qu'elle couvre Tudik pour qu'elle aille voir Munch en cachette, elle risque de perdre sa place et sa mère risque de l'envoyer à Christiana, anciennement. Christiana, c'est ça? Anciennement Oslo. Voilà, Christiana. Il ne veut pas du tout. Enfin bref, voilà, c'est une histoire de deux gamines qui sont d'une amitié aussi, vraiment. Et puis ça va pas être que ça. Ça va partir un peu en vrille. Ça va partir un peu en vrille. Et voilà. Tout ça. Alors, en plus, le vocabulaire de Lisa Strome, j'ai adoré parce qu'on est dans un champ lexical des couleurs, de la peinture. Des fois, c'était très beau. Et puis, l'histoire est assez touchante quand même. Est assez. J'ai pas, ouais, t'es assez triste parfois, je vais pas en dire trop. J'ai bien aimé ce petit roman. Voilà. C'est un roman, j'ai passé un très bon moment. Je passais par les larmes, les petites joies, les petits bonheurs. Et ce monde de la peinture, comme ça, d'artiste, ça m'a plu. Donc voilà, je peux vous le recommander si vous aimez tous ces petits trucs. Puis on va, au fil de l'histoire, retracer, enfin, Lisa Strome. Comme elle a mis en personnage Édouard Munch, ce célèbre peintre réel, elle va retracer, elle va coller à son histoire les tableaux qu'il a peints en vrai. Voilà, donc c'était très intéressant, moi j'ai bien aimé. C'était original du coup. Lisa Strome a une très belle écriture c'est très bien pensé cette histoire, franchement. De faire une petite histoire fictive, romancée par rapport au peintre. À ce peintre réel très très connu. Et voilà, c'était très bien et moi j'ai beaucoup aimé, vraiment très sympa. Voilà. Alors, au niveau des lectures, il me reste celle-là que j'ai en cours, vous savez, hein, j'ai pas avancé, j'ai pas avancé. Je sais pas si je le finirai, je vais continuer, mais je sais pas si je le finirai en mois parce que au mois de janvier. Je privilégie en premier à finir le challenge de la crypte, hein. Donc il m'en reste trois. Et le prochain que j'ai choisi, c'est Wolfen, Dieu ou Diable, de Witless Strieber. Voilà, j'ai très envie de découvrir. Oui, alors c'est illustré, mais sûrement c'est une adaptation cinématographique. Après, ils ont fait, et après, ils ont. Voilà, mais. Ouais, j'ai très envie de découvrir, par contre. Ah non, 300 pages, on dirait qu'il est costaud. 300 pages, donc une nuit à la fourrière de Fontaine Avenue à Brooklyn, deux policiers sont retrouvés morts, non pas abattus, non pas poignardés, mais déchiquetés et dévorés. Jamais encore l'inspecteur Dewey, pardon, vous avez la ref Dewey? Bref, Dewey Wilson et Rebecca Neff, spécialistes en psychologie criminelle, n'ont affronté pareille vision d'horreur. Bientôt dans le Bronx, trois autres corps atrocement mutilés sont découverts. L'on relève des traces de pattes aux empreintes humaines. Voilà. On se doute un peu dans quoi on va s'embarquer, hein. Loup-garou, des trucs comme ça. Et en parlant de Dewey, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le dernier Scream au cinéma qui est sorti? Ah non, il sort le 22. Non, non, j'ai rien dit. Hier, on était le 12. Il me semble qu'il sort le 22, je sais même plus. Oublié, je sais plus quand Scream sort. Scream 5, là. On oublie. Donc voilà pour les nouvelles. Je pense qu'on va se quitter là pour ce vlog. Je pense qu'il sera assez long. Voilà. Et moi, je vous dis.